Dans ma tête, je savais qu'on ne se rendrait pas à l'hôpital. La personne du 911 qui a fait une vraiment, vraiment bonne job, nous a dit arrêtez-vous dès que vous pouvez, dès que vous êtes à un endroit sécuritaire, arrêtez-vous. Moi, en 20 ans de carrière, c'est la première fois que ça se produit un tel événement. J'ai juste vu dans le rétroviseur les gyrophares, puis là, c'est comme on n'était plus tout seul. Ça a été très rapide parce que c'était son troisième enfant. Et en étant rendu à son troisième enfant, fait que l'accouchement s'est passé rapidement. Ils se sont vraiment bien organisés dans le sens qu'ils ont tout de suite su que les deux, ça serait trop. Donc ils se sont parlé, puis ils se sont dit, prends, toi, vas-y, moi je suis là, s'il y a quelque chose, je suis derrière toi. Je me rappelle l'agent Laca, ça... il fallait faire un espèce de garrot dans le cordon, puis il a sorti son canif, il a coupé son lacet, puis il l'a donné à l'agent Perrault pour qu'il fasse le nœud dans le cordon. Le fait qu'ils étaient vraiment organisés, calmes, nous ont tellement calmés juste par l'or. Ils savaient comment gérer la situation de crise, hein. C'est vraiment ça qu'on a vu. Ces deux policiers-là qui sont rentrés dans notre vie, l'agent Perrault et l'agent Lacasse, vont faire partie de la famille, entre guillemets, pour toujours. Ils étaient là à la naissance de notre fille, ils sont venus nous rendre visite quelques semaines après, quelques jours après qu'on soit rentrés à la maison. On peut s'envoyer des messages textes pour les grands événements de la vie de Margot. C'est juste vraiment le fun de pouvoir continuer cette relation-là avec eux.